identifier le code Sarah de Saint-Georgie et nous préparer dans toute la mesure du possible pour une éventuelle nouvelle pandémie. Situation bien, bien grave, mais c'est pour comment tenir à commence par sa question de COVID. Et moi, je le connais à chaque fois qu'il même le PMSD, Nando Bouda et Bada, chaque fois qu'ils viennent, c'est numéro 1 par une nouvelle préoccupation. Deuxième remarque, l'économie, l'eau, l'économie. L'eau, l'économie aussi, le gouvernement fait couillonne le pays. Et couillonne, d'abord, il y a une prévision fort fallue de Badayashi en termes de développement de GDP growth et le nombre de touristes qu'il est capable d'expecter de façon réaliste. Mais ce qui est plus grave, c'est ce qui nous met de l'autre côté. L'inflation et la réserve de devises étrangères, ce qui Badayashi, le ministre des Finances, vient dire, c'est d'être induire la population en erreur. Donc l'inflation et l'autre réserve en devises étrangères. En ce qui concerne l'inflation, il est clair qu'il y a une accélération ces derniers temps. Le mois de juillet est particulièrement mauvais, donc été, qui va continuer d'étériorer le mois d'août. Mais quand nous prenons le chiffre de juillet en considération, le year-on-year inflation, la façon de calculer, year-on-year calcul de l'inflation, quand nous prenons le mois de juillet comme référence, l'inflation il arrive 6,5% quand nous prenons juillet 2021 comme point de référence. Moins d'infos craint qu'il continue à accélérer. Donc l'inflation qui fait avant tout à cause des dépréciations de la profit. Et là, le ministre était un gros fausseté quand il devait dire que dans les réserves en devises étrangères, il atteint un record de tous les temps, etc. Faux, de le chiffre. Mais en ce qui concerne les présentations, le gouvernement peut déprécier plus qu'ils avaient la rupie par rapport à la devise étrangère, à commencer par le dollar et l'euro. Finalement, une dépréciation autour de 9% en un an. Et sa dépréciation-là peut continuer. Et là, il vient dire que les réserves en devises étrangères, il atteint un record, ça fausse complètement. Les réserves en devises étrangères, pardon, les réserves en roupies, stable. Parce qu'il roupie peut déprécier. Mais les réserves en devises étrangères, fait une dégringole de 500 millions de US dollars. Un sharp drop. 500 millions de US dollars de janvier à juillet 2021. Et ça peut continuer. Et déprécier, et faites l'inflation, plus qu'ils en ont. Et si vous prenez en considération la monnaie qui nous a emprunté du Japon et la banque Maurice de ce côté, on va l'emprunter dès l'emprunt sur le marché international. Si nous ne prenons pas ça, on va l'emprunt là, comme des mises d'entrée, Japon et l'emprunt de la banque de Maurice, naturellement, réserve qui coûte plus grand pèse encore. Une situation plus difficile